Attends, on va se caler bien, regarde, vas-y. Voilà, là c'est très bien. Faut lui dire de changer de blague, hein. C'est vrai. Je sais plus si c'est avec toi, avec une autre que tu l'avais fait. Ah, une autre, parce qu'il y en a eu d'autres. Dame la team chérie, puis j'espère que vous allez bien, Steve Winchamp. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, mes dames et messieurs petites, je suis en compagnie de la ravissante, de la charmante, de la sensuelle et de la relou, Jujubit Cat. Enchantée. Oh, relou. Salut les petits chats, c'est Jujubit Cat. Ok, les gens, comme vous le savez ou vous ne savez pas, car vous en foutez, j'ai eu 26 ans le 19 janvier. T'es sûr que c'est pas 18? Non. Niveau mentalité, ça se. J'ai eu 26 ans, donc 26 pouces bleus au bas de la vidéo. Ça fera pas beaucoup. Ouais. Et pour fêter l'occasion, j'ai sorti et j'ai retrouvé mes anciens albums photos de quand j'étais petit. Donc je propose qu'on regarde toutes ces photos ensemble. Comme ça les abonnés eux aussi verront la gueule de beau gosse que j'avais quand j'étais petit, ouais. Ouais, et puis pour moi ce sera juste l'épreuve ultime qui déterminera l'avenir. J'ai un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup de dossiers quand même. Non. Pardon. Et oh, grosse ambiance. On s'amuse bien qu'il y a entre nous. Donc Juju, oui. Je te présente un peu ma vie, ainsi qu'à vous, Manda Team Shape. Ce livre. Aujourd'hui c'est vidéo livraison. Livraison de t-shirt Team Shape, les liens sont dans la description. Exactement, pour avoir les t-shirts. Je suis né le 19 janvier 1992. Je fréquente un yeuv. Il fallait le dire ça? Je sais pas. Voilà, ça c'est moi. Je sais pas ce que je venais de voir en face de moi. Je sais pas, mais ça faisait peur là, hein. Je crois qu'on m'avait montré une photo de toi. Ah. Non mais je rêve. Non. C'est impossible, j'étais pas née. Ah oui, ça a été née 3 ans après moi, faut le situer. Ça se trouve on était en train de te dire: écoute Thibaut, on est désolé mais il y a plus de protéines. Non. Ah ouais, là tu faisais pas serein, vivant. Mais le principal c'est qu'aujourd'hui ça aille mieux. Oh la petite zigounette. Oh la petite zigounette, elle est déjà énorme, regarde. Venez me dire, Thibaut, toute ta vie t'auras vraiment un sexe énorme et sec. Et bah je sais pas quand est-ce qu'elle va démarrer ta vie alors. Qu'est-ce que t'en sais? Joker. Oh non mais attends, c'est pas possible, sur toutes les photos t'as annoncé quelque chose de compliqué je crois. Là on m'a redit, Juju c'est pas une blague, elle va vraiment vite arriver dans ta vie. C'est qui celle-là? Là j'avais dû voir tes fesses, un truc comme ça je pense. Bah non, t'aurais pas pris peur. Ah ouais. Ah quoi que si. Si j'aurais... Oh non. Monstre. Qu'est-ce qui m'attend? Mais je vais me faire écraser, je vais être étouffée. Ah voilà, un beau sourire de bébé. Là on avait dû me dire: Justine, c'est la femme de ta vie. Thibaut, il y a une salle de muscu qui va ouvrir bientôt. Ah j'avoue. Ou Thibaut, plus tard tu feras de la muscu. Non, avec les bonnes joues potelées, elle est trop belle. Ah ouais. Là les gens, je pense que je voulais aller à la muscu et on m'a dit non, aujourd'hui c'est le jour de repos, tu restes au lit. Et je voulais m'évader. Et toi t'étais derrière, non. Ah. Oh la belle prise de masse. Regarde, il y a déjà des pecs et tout. Mais regarde-moi tes cuissons. Bon par contre aujourd'hui les cuissons, bizarrement, ah ouais, j'ai... ça a pas trop perduré. J'avais des cuisses plus grosses à l'époque que maintenant. Ça va là de te toucher comme ça? Bah écoute, moi je suis tranquille dans mon bain. Le bain c'est chaud, j'aime bien cette sensation. Le petit marin avec sa petite salopette. Non mais c'est pareil, t'as vu ton avant-bras? Non, j'avais un avant-bras énorme. Non mais t'es potelé, hein, le vrai bébé potelé quoi. C'était bien cette salopette. Faudrait que je la retrouve d'ailleurs. Oui. Sauf que tu rentres dedans. Bah oui. Bah oui. Avec, avec une petite sèche. Avec une petite sèche. Tranquille. Bon. Ah bah vas-y que ça y va le pain. Alors. Je peux pas dire, mais cette photo, elle est suggestive quand même. C'est pas ce que vous croyez les gens. Les gens, je veux voir aucun montage sur Twitter de cette photo. Je veux zéro montage. Oh non. Horrible, ça va être horrible. Oh, il est content. Là ça doit être Noël je crois. Il y a le sapin derrière. Je sais pas si c'est toi quand t'étais enfant qui t'habillais comme une fille ou si c'est moi qui m'habillais comme un mec. Quoi, je m'habillais comme une fille là? Non mais parce que j'ai un peu les mêmes genres de tenues donc qui... C'est marrant les trucs, c'était la mode ça, t'as vu? Le gros col comme ça. Ouais, les petits cols comme ça avec des petites fleurs. La coupe au bol. En vrai si tu t'étais pas coiffée, il avait la même coupe ce matin, je vous le dis. Hein. J'étais émerveillée. On avait dû m'offrir une halter pour Noël où on m'avait dit: Thibaut, t'as pris des bras. Et là, je le regard ténébreux sur la photo. Déjà beau gosse quoi. C'est comme ça que je l'ai charmé à la maternelle. Qui ça? Ma maîtresse. Ah ouais, c'était qui celle-là? Ouais, il y a le petit regard coquin quand même. Hein. Non mais oui hein. Est-ce que ça le fait bien? Non. Ah. Là ça fait regard niais. Non, c'est encore plus niais. Ah, pardon. On passe à la suite. Non mais attends, t'es le roi et t'as même pas l'air content. C'est moi Thibaut, c'est moi le roi. Royaume animal. Et je pense que j'avais pas dû avoir la fève. Non, j'ai pas la fève mais je m'en bats les couilles, c'est moi le roi. Alors là c'était les premières sorties, on allait souvent se promener dans un endroit où il y avait des petites biches. Et je voulais les manger. Tu voulais manger les biches? Oui, il y a des protéines dans les biches. Salopette, petit bonnet de marin, c'était ton truc hein. T'avais le même nez à l'époque. Qu'est-ce qu'il a mon nez? Bah, il est tombant. Quoi, j'ai un nez tombant? Ouais, ça fait un truc un peu comme ça. T'as le nez comme ça. Quoi, j'ai le nez qui tombe? T'as un truc comme ça. Toi, t'as le nez qui monte. Bah ouais. Regarde, mets-toi son profil. Regarde les gens. Elle a le nez qui monte. Et moi? Nez qui descend. Nez qui descend. Là. Déjà un geek. Les premiers montages YouTube. Le vieil ordinateur. Je crois que je l'ai regardé mon premier film érotique. J'avais été pris sur le fait. Oups, c'est pas moi. J'aimais beaucoup les petits suisses à l'époque. Ah ouais. La coupe au bol, toujours les gens. Et en vrai, la coupe au bol, je vous jure qu'il l'a toujours. Hein. Vous l'avez pas au réveil le matin. Bah là, t'étais heureux. Hein. J'étais content. Je sais pas ce qu'on me faisait, mais j'étais content. Prochaine photo.
Regarde l'homme un peu. Il faisait déjà du posing de body. Regarde ses pecs, ses cuisses. Il y a du niveau, hein. Trop drôle cette photo. Elle est trop bien. J'étais en boîte comme ça, avec mes bitches comme ça. Ah ouais, d'accord. Bah tes bitches. Ouais, c'était à mon niveau quoi. Voilà. Donc à l'époque, nous dans la famille, on n'avait pas trop d'argent pour acheter beaucoup de bijoux. Alors on s'est fabriqué nous-mêmes. Et bah écoute, je trouve que ça t'allait très bien. Mais elle est trop bien cette photo, elle est trop drôle. Mon plus grand rêve, c'est d'avoir des poils. Bah ouais, je comprends. Et du coup, bah depuis tout petit, je me crée de la barbe. Voilà, j'ai 26 ans et voilà ma barbe. Là, ça fait un mois que c'est pas rasé. Ça fait un mois que je suis pas rasé. Là, les gens, on venait de m'annoncer que c'était le jour des pecs. Du coup, t'as sauté de ta poussette pour aller faire les pecs. T'as ah ouais. Donc là, c'était mon anniversaire. J'étais malade comme un guinche. Ah ouais, t'as l'air défoncé. On dirait que t'as fait un bang. Ah ouais. Ou alors, d'un côté, ça te donne un petit peu un air mystérieux, ténébreux de rocker. Très drogué, alors le rocker. Ouais, très drogué, le rocker. Pris en flagrant délit en mode qu'est-ce qu'il me veut celui-là avec son appareil photo. Cette tête de méchant en mode sortez de là. T'es pas content quand tu regardes ça. Je suis assez intime, mais j'aime pas trop quand on regarde faire caca. Oh, ça c'est ce que tu dis. Bon, ça a changé maintenant. Bah c'est mon côté ménage ça. Ah oui bah ça aussi ça a changé maintenant. Parce que le côté ménage moi j'en vois pas la couleur. Eh hey, sportif le mec. Gainé. On avait deux couloirs qui étaient assez proches. Et du coup le but c'est de monter le plus haut possible comme ça. Eh bien joué hein. C'était cool. On voit un pied là, je suppose qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire comme toi mais qui a du ouais. mal. Ouais. Ah là c'était les protéines, le poulet. Oh. Tu vois que je t'ai cuisiné. Début des biscottos. Là les gens je vous montrais mes épaules un petit peu là. Les gens on a tous eu notre époque Kapla. Oh, la base les Kapla. Les Kapla c'est la vie les gens, c'est le meilleur jeu au monde. Même là. Deuxième réalisation en Kapla. Elle est énorme. Merci, c'est ce qu'elles disent toutes. Qui toutes? Que toi, que toi. Y'a que toi qui dis ça. Gratouille, gratouille, gratouille. Ouais, gratouille, gratouille, on en reparlera hors caméra. Ah, c'est le jeu des petits Suisses. J'aimais beaucoup les petits Suisses. Ah bah ça j'ai vu. Dans un champ de cannabis. Donc là, bah, toujours la présence de la coupe au bol. Tout garçon né aux alentours des années 90 a eu cette coupe au bol au réveil. Donc moi j'ai imaginé des choses. Là les gens, je crois que je découvrais ma sexualité. Et j'étais en train de faire l'amour au coussin. Là je faisais du air guitar. D'accord. Et très belle tapisserie avec les bateaux derrière. C'était vraiment la mode à l'époque d'avoir deux couleurs ouais. différentes et une frise ouais, au milieu. Ouais ouais ouais. Ah là là, cette mode aussi. Mais il y avait une mode aussi, c'était la paille dans les maisons. La paille. Oui, nous on avait une espèce de paille au mur. Oui c'est bizarre. Elle vivait dans une étable. Ah, 4 ans. Des choux. J'aimais beaucoup les chouquettes à l'époque. Ah ben je vois ça ouais. Avec du chocolat dessus, ça donne des profiteroles. Des profiteroles. Ouais, des profiteroles. Bref, j'étais content de les voir. Je pense que j'étais bourré. J'entrais de soirée et j'ai pas retrouvé mon lit. C'est tellement ça. T'as même pas réussi à aller jusqu'au lit quoi. Avec la bassine à côté. Ah ouais, c'était pour vomir au cas où. Ça c'est quand tu m'as vu pour la première fois. J'ai fait ça, j'ai fait. Oh, et après j'ai vomi. Là t'as vu on dirait le chat dans Shrek, tu sais qu'elle demande quelque chose ah comme ça. Ah oui le chapeauté. Alors là c'est matin de Noël. Très beau pull, très beau pantalon. C'est le pantalon en velours ça non. Ouais les pantalons à velours il y avait vraiment une mode là dessus. Ah ouais tout le monde en portait mais franchement on va pas se cacher que le pantalon en velours c'était pas trop ça. Mais en plus t'as une petite coupe au bol trouée. Parce qu'en fait j'ai un vieil épi là. C'est pour ça que j'ai toujours les cheveux dégueulasses comme ça là. Du coup, parce ça... que j'ai un vieil épi du coup t'as des comme ça. Oh, un constructeur dans l'âme. Exactement, un peu architecte j'ai envie de dire. Et t'es devenu youtubeur. On est dans le thème. À partir de quand j'ai raté ma vie comme ça. Alors là c'est pendant les vacances et je me faisais un bunker. Pour essayer de te fuir certainement. N'importe quoi. On m'avait dit Juju arrive. Et je suis là non, 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 non. Bah apparemment ça a pas trop fonctionné. Le jour où j'ai eu mon permis. Oh précoce. Non je t'en prie. Bah écoute faut qu'on parle. Je pense qu'on va couper la caméra. On va couper la caméra de suite. Hop. Donc, je sais pas d'où vient cette voiture. Je crois que c'était une ancienne Polo qui était à ma mère. Je faisais genre, j'étais un peu un pilote. Après, dans la vraie vie, j'ai loupé mon permis deux fois. Voilà. Ah, cette photo, j'adore. Le bain, les gens, c'est important. Le gars qui oublie une fois sur deux de se doucher. Faut pas trop se doucher parce qu'après, ça irrite la peau. Non, mais au moins une fois par jour, chouchou. Une fois par jour? Oui. Une fois par semaine, vas-y, moi. Non, une fois par jour. Non, mais parce qu'attendez, il y a des fois où j'ai le droit à. Non, mais tu sais, aujourd'hui, j'ai fait que de la muscu. Après, je suis restée toute la journée faire du montage. Donc, j'avais pas trop besoin de faire une douche. Non, mais à partir du moment où t'as été à la muscu, que t'as transpiré, tu as besoin d'une douche. Et tu noteras quand même un début d'épaule et un début de paix qui se construit bien comme il faut. Il y a quelque chose. Salopette toujours. Et là il y a un petit doudou. J'avais un petit lapin. Ah moi aussi j'ai un petit lapin même que je l'appelle Lapinou. Bon tu vas appeler comme moi. Toi aussi ton lapin je l'ai appelé Lapinou. Bah ouais. Bah je suis désolée, il peut pas y avoir de Lapinou. Mon Lapinou il est né avant. Bah non parce que mon Lapinou il appartenait à mon frère. Et mon grand-père il a 70 ans et c'est à lui qui était Lapinou et Lapinou qui me l'a donné. Tu mens. Oh, elle est trop forte. Le sourire, t'as le même aujourd'hui, hein. Grave, c'est exactement pareil. Et le très beau pull, toujours. Alors, tu sais que ces pulls-là, maintenant... C'est interdit. Alors là... Raconte-nous ton histoire. Pour tout vous dire, j'ai été enfant de cœur. Mais que dirait Jésus s'il t'entendait parler de meule? Jamais vous n'auriez pu deviner que j'étais enfant de cœur à l'époque. La moto. Ah. Vous connaissez mon don pour la moto. C'est de là que vient tout son talent. Je m'entraînais, en fait, pour le tournage qu'on a eu il y a 6 mois. J'apprenais à faire des burns.
ça a pas trop marché. Non, ça a pas trop marché. Là, c'est mon regard un peu lover. Tu fais un peu, comment on dit? Beau, séduisant, romantique. Non, on n'y est toujours pas. Pitié. Ouais, la pitié, mais. Quoi, la pitié? Tu m'inspires le petit copain du groupe, timide, cause pas draguer. C'est vrai que j'étais un peu timide quand j'étais petit. Ouais, ouais. Je me souviens, on s'envoyait des mots quand on était au primaire pour se draguer. Comment ça, t'as dragué avant de me rencontrer? Prochaine photo. Petite langue, grosse langue. Oui, oui, grosse langue. Un monstre. Je vais faire la même tête. C'est pas mal, t'as les yeux plus plissés, t'as l'air un peu plus défoncé. Ouais, voilà. Là, on y est, c'est ça. Très gourmand, des frites et du ketchup. Par contre, t'as gardé ton amour pour le ketchup. Oui, j'ai très ketchup. Qu'est-ce que vous êtes, les gens? Vous êtes moutarde, ketchup ou barbecue? Ou mayo? Moi, je suis ketchup. Moi, je suis barbecue. Et vous, en commentaire. Là, c'était un super circuit que j'avais eu pour mon anniversaire. Regarde l'écart entre les dents. Hein, on pourrait y mettre encore une dent. Ah ouais, mais en plus, c'est même pas un écart parce qu'elles sont tombées. Et en fait, t'avais les dents du bonheur, sauf que les dents du bonheur, normalement, c'est que entre les dents devant. Toi, t'avais décidé d'avoir un bonheur maximal. Oh. Oh, cette odeur. Alors, les gens, n'interprétez pas mal ce signe-là. Je disais bonjour aux voisins et je faisais l'avion. Ou alors, on peut dire que c'est un dab. Ah, des protéines. Un cavalier. Ah, ça donne faim. Mais t'es horrible. Ah bah là, je suis désolée, ça peut pas continuer. Donc là, les gens, c'est pendant mon voyage aux États-Unis. Et en fait, on avait joué à un jeu, je faisais le vendeur. Et tu remarqueras, regarde, je m'étais ouvert au niveau du tibia. Ah ouais. Ça fait un V. En fait, les gens, quand j'étais petit, j'ai glissé sur une plaque d'égout et j'ai tapé un banc. Ah ouais. Là, les gens. Ouais. Là, c'est mon tatouage. Ah, c'est ton côté bad boy. Un lézard, cet homme viril. C'était le tatouage de Jurassic Park. Oh, dis donc. Et oui, là, c'est dans un magasin de chapeaux. Là, on m'avait dû mettre un truc dans les fesses. Mais ça a pas l'air de se faire du bien. Un peu en mode danse. C'est vrai que j'ai toujours été un peu un danseur quelque part. Donc, je pense que je faisais l'égyptien. Ah, ou la danse de Michael Jackson. Le moonwalk. Comme ça, là. Le thriller. Oui, exactement, c'est celle-là. Là, c'était un lapin qu'on avait qui s'appelait Réglisse. C'est donc lui le fameux Réglisse. Qu'on a mangé à Noël. Oh. Ok, les gens, donc maintenant vous en savez un peu plus sur moi. Est-ce que tous les dossiers que t'as vu de moi t'ont pas trop effrayé? On va quand même continuer à se fréquenter tous les deux. Écoute, ça va, ça m'a pas trop effrayé, c'est le passé. Moi, je te connais comme t'es maintenant. Si progéniture il y a, je suis juste un peu inquiète pour le futur. Si progéniture il y a, madame pense à la progéniture. Non, je. Viens repeupler la terre. Dans quoi je me suis mis? Ok les gens, bon maintenant je suis content de vous avoir montré un peu mon passé et d'avoir partagé un bout de ma vie avec vous. Et j'espère que vous avez pas pris peur et qu'on va quand même continuer à avoir une bonne relation vous et moi. Donc s'il vous plaît, soyez sympa avec moi. Ne faites pas trop de montage. Balancez un max de montage. En attendant, nous on se voit très vite. Alors surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Oh là là, non mais gros, je veux pas. Tu me fais un bon kill, gros.